Salut à tous, c'est Lolo, j'étais à Kiel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Far Cry 5. Donc aujourd'hui c'est un petit épisode détente, c'est une petite vidéo détente. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer des animaux, on va chasser quoi, pour se faire beaucoup d'argent. Donc je suis dans un endroit ici. Donc je suis dans cet endroit, ici il n'y a que des bisons et des jaguars, c'est les deux animaux qui rapportent le plus d'argent. Donc on va chasser ici, toute cette partie là, pour ceux que ça intéresse, pour faire de l'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de War Legend, donc voilà, c'est un youtubeur, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à lui, parce que c'est lui qui m'a aidé à trouver ça. Donc ça se trouve dans la région de la fille. Donc voilà, il y a Jacob que j'ai tué, il y a John et il y a la fille. Donc à la fille, ça se dirige dans où on peut sauter dans la montagne quoi, dans la montagne de Raptor. Juste ici, il y a une petite plaine et il y a plein de bisons, d'animaux, on va dire d'animaux qui rapportent quand même beaucoup de sous hein, parce que moi la dernière fois hier ça m'a rapporté beaucoup de sous. D'accord, pour ceux qui aiment bien du Far Cry 5, je vous ferai quelques épisodes aussi. Aujourd'hui c'est pour juste vous montrer la chasse ou quoi. Donc voilà, j'ai avec moi un ours cheeseburger et un jaguar pépèche. Voilà, donc c'est bien qu'il y a, il faut pas que le mec il fuit parce que j'ai... Ah non, c'est un jaguar. Le chien. Par contre, ils vont pas nous embêter longtemps, eux. Parce qu'ils commencent à nous saouler. C'est les anges, là. Bon, on va aller chasser. Donc, c'est parti. Donc, j'ai tout prévu. Donc, c'est un peu... Donc, mon arme préférée, moi, c'est... mon arme la plus équipée, elle est équipée au max, c'est le fusil à pompe. Donc, il y a le viseur, silencieux, le chargeur. Elle est équipée à fond. Donc, ce fusil à pompe, c'est vraiment... Il est vraiment très bien. Après j'ai un petit flingue, donc un flingue silencieux avec la lunette. J'ai la grosse batteuse avec le viseur aussi. Et j'ai le snipe de Jacob Seed, donc j'ai eu gratuit, mais c'est moi qui a rajouté le viseur. Donc tout ce qui est en jaune, c'est moi qui l'a payé, qui l'a rajouté quoi. Donc là vous voyez, il y a un petit jaguar là. Et voilà, je le savais. Voilà, tac, c'est bon. Parce qu'en fait, la fille, elle nous empoisonne. Et quand on tue des animaux, ils se retransforment en quelque chose d'autre. C'est ça le truc, moi, qui m'énerve. Ouais, donc, le snipe de Jacob, il fait vraiment très mal. Tu mets une balle de bison, il meurt. Donc ce snipe, il est vraiment très bien. Bon, il y en a des plus mieux. Mais bon, pour le moment... Donc voilà, aussi, j'ai le poing américain qui fait très très mal. J'ai la une batte en aluminium, voilà, un truc comme ça. Et j'ai aussi que j'ai ramassé voilà, comme ça. Voilà, donc sinon en explosif, j'ai rien du tout. J'ai tout gaspillé pour une mission, pour avoir la tenue d'Oméga. Pour les fans de Far Cry, je pense que vous devez connaître la mission pour avoir la tenue d'Oméga. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vais tirer. Putain, il est... Regardez, là il y a un bison. J'espère que lui il n'a pas été. Voilà, une balle, il est mort. Vous avez vu? Une balle, il est mort. Par contre, il y a un hélico, ça il veut pas. Il va me saouler et j'ai pas envie de gaspiller de balle. Donc, je vais faire... il est juste là-bas là. Ouais, on voit pas. Wesh, d'où il nous voit? Il est à l'envers. Ah, c'est un monstre mec, hein. Oh punaise. Voilà, Pépèche va s'occuper de ça encore. Donc voilà, donc... Qu'est-ce que c'est ça? Donc là c'est bizarre parce que... En plus il spawn à l'infini, donc... Des fois il faut attendre, des fois il faut pas attendre. Par contre je voulais pas tout mon ours. Bon c'est pas grave. Donc... On va toujours...
quand ils commencent à chasser. Donc vous voyez, il y a beaucoup de jaguars, donc ceux qui rapportent le plus, c'est les jaguars. Et par contre, Pépèche, je sais pas où il est parti. Ah, mais parce que je lui ai mis le point, viens là, Pépèche. Cheeseburger, pardon. Par contre, il y a beaucoup d'ennemis qui viennent nous voir, je ne sais pas pourquoi, ils ont entendu exploser. Wow, c'est pas possible. On peut pas chasser tranquille. Bon, alors, voyons ça. Pour les épisodes Minecraft, vous inquiétez pas, ça reviendra, hein, parce que je sais que vous adorez, mais encore une fois, je vous le dis, je peux pas faire à chaque fois du Minecraft, parce que sinon c'est plus une chaîne gaming, c'est une... oui, c'est toujours une chaîne gaming, mais sinon je m'appelle Holocraft et c'est fini, ouais. Donc là j'ai mis un morceau de viande pour ce... ah, vous voyez, elle est là possible. J'ai mis un appât pour attirer des animaux, mais apparemment il y a personne. Mais c'est pas possible, il y a plus personne. Bon. Je pense que vous savez qu'est-ce qu'on va faire. On va faire quelques missions et on va attendre un petit peu. On va attendre. Donc, vous voyez qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller là. Je vais attendre un petit peu et une fois que c'est bon, ben on se retrouve. Allez. Ok. Donc, alors. Bon, elle a pas duré longtemps la coupure. J'ai appuyé juste. J'ai attendu un petit peu. Bon, si on voit pas. Si on voit plus personne, on va se casser et on va faire. Ben, des missions. Qui nous aidera. Je crois qu'il n'y a plus personne, hein. Je sais pas où ils sont partis tous les bisons. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire. On va déjà il me faut que je débloque un point, le point de talent, point restant, maître du butin, parce qu'en fait quand tu tues un animal, il te donne une viande. Et ben là il va te donner deux. Donc j'ai 7 points de talent, il m'en faut 8, donc encore un point de talent. Tout ce qui est en jaune, ça veut dire que je les ai, que j'ai débloqué. Tout ce qui est en gris comme ça, c'est que je peux les avoir, mais je n'ai pas assez de points de talent. Et ceux qui sont comme ça, ceux qui sont en blanc, c'est ceux que je peux acheter maintenant, tout de suite. Et ceux avec les cadenas, ben, c'est ceux que j'ai pas encore débloqué. Voilà. Donc, on va attendre qu'on a un petit des points restants. Donc qu'est-ce qu'on va faire. On va faire un voyage rapide. On va faire la mission de la prison qui est juste ici. On va voyager comme ça, on fait vite. Donc comme ça, on va faire toutes les missions, pas toutes, mais on va faire quelques missions pour avancer mon aventure. Donc comme je vous dis, mes aventures, pas mes aventures, mes épisodes de Far Cry, j'en fais plus beaucoup parce que je joue en solo. Vous voyez, j'ai déjà terminé une région. Je vous ai juste fait 3 vidéos dessus sur ce jeu. Une où je commençais, une deuxième où j'ai battu Jacob Seed, et une troisième, ben là maintenant. Donc aussi, j'ai un hélicoptère, mais j'ai pris le moins cher parce que les hélicoptères, c'est tous les mêmes. À part qu'il y en a certains qui tirent, mais moi, je m'en sers pas beaucoup. Des hélicoptères, vous voyez, c'est juste pour voyager des grands trajets. Donc au fait, puisqu'on a tué quelques animaux, donc on va les revendre. Vous voyez, regardez comme ça monte en haut. Vous voyez, regardez comme ça monte. Ça monte tellement vite, je suis à 8000. Voilà, dans mon garage, j'ai eu ce... Il est où. Non, c'est pas lui. Il est où déjà. Voilà, j'ai lui et j'ai lui. Donc je peux m'acheter lui, vous voyez, je peux m'acheter lui, je peux m'acheter... Ouh, elle est pas mal celle-là.
Voilà, je découvre avec vous les véhicules. Donc voilà. Il y en a quand même qui sont vraiment, tu sais. Donc on a les quads. Regardez comme c'est rigolo ça. On a les quads. On a les camions. On a les gros camions. Après on a les voitures de sport. Donc voilà, celle-là elle coûte 7000. Vous voyez comme c'est un petit peu cher quoi. 9000, c'est incroyable. Donc on va prendre. On va se payer des munitions. Et on va commencer tout de suite à faire mission. Donc là on a la prison. Donc la prison. On a la prison. Ok, donc on y va. Donc aussi je vais vous montrer ma tenue Omega. Donc pour ceux qui sont intéressés. Donc voilà. Tenue voilée. Voilà, j'ai ma. Voilà, c'est celle-là la Omega. Donc c'est ma préférée. Donc il y a celle-là en deuxième, ma préférée, mais je l'ai pas. Parce qu'il faut avoir le jeu Rainbow Six Siege. Et moi je n'ai pas le jeu. Donc voilà. Donc ça c'est toutes les tenues que j'ai. Eux je les ai eues gratuites. Voilà, ça c'est des tenues payantes. Vous voyez, après j'ai les hauts, il y a tous les hauts du jeu. Il y en a pas mal qui sont vraiment stylés. Comme le gilet pare-balles, on peut le mettre à part. Ouais, c'est vraiment. Lui on peut le mettre à part. On peut mettre lui avec le casque et tout. C'est vraiment très bien. Ce jeu je l'adore. Donc notre mission, il est où le mec qui nous propose une mission? Il est juste là. Il est en haut. Ok. Alors c'est la fille qui nous dit. Donc on va passer. Alors rejoignez la statue du père. Oh là 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 là. Ils nous mettent des chemins, mais ça a 10 000 km. Ouais, là je peux pas faire un voyage rapide. Il y a que là que tu peux faire un voyage rapide, mais ça va servir strictement à rien. Donc pour ça, on va prendre mon hélicoptère. Donc il est où Cheeseburger? Cheeseburger, je l'ai oublié. Donc voilà, donc je vais vous présenter les hélicoptères. Donc regardez. Donc ça c'est tous les hélicoptères. Donc le plus cher, hein, lui, ça doit être lui, je l'ai pas encore. Donc il y a lui. Voilà, après il y en a plein. Moi j'ai pris le moins cher parce que c'est tous les mêmes à part qui tirent. Donc moi les hélicos c'est pas pour tirer. Et s'il faudrait faire des missions où il faut un hélico qui tire, bah, j'achèterais l'hélico qui tire parce que regardez, celui-là il tire et il coûte 2000. Donc c'est largement faisable, 2000. Voilà, donc comme j'ai 8000, donc il faut que je consomme aussi pour m'équiper, pour acheter plusieurs armes. Aussi j'ai d'autres armes que ceux-là, mais il y a que 3 places dans l'inventaire. Donc voilà, donc j'ai aussi une mitraillette verte et tout. J'ai plein d'armes encore, mais c'est juste que ceux-là je les ai pris parce que c'était les plus fortes et c'était les seules qui s'étaient beaucoup customisées. Donc là on va rejoindre la statue du père. Donc la statue du père, bah, c'est une statue du père. Donc, ça c'est rien, vous inquiétez pas. Alors, je me demande quelle mission ça va être. On va devoir défendre, je sais pas. Donc c'est juste devant. Donc où on était, c'était là-bas, vous voyez. On était là-bas, là. Et on voyait la statue. Donc c'est, on va dire, c'est la plus grande montagne de la région. Après je sais pas si dans les autres trucs c'est pareil, donc je vais un peu monter comme ça je saute en parachute. Alors ouais déjà on va faire ça, il y en a qui m'ont vu, je sais pas d'où. Donc j'ai un petit peu peur de mourir là. Parce que si je monte que je glisse, je suis mort. Donc l'hélico, bye bye. Il y a des mecs qui m'ont vu. J'aime. Donc on va faire un truc. Pas de gaz. Hello.
C'est bon, les otages sont sauvés. Allez, on se casse. D'en haut, c'est ma barre de points de résistance. Donc c'est pour me faire un peu de la thune. On va pas passer par le chemin parce que je pense qu'on va rencontrer des gens. Des ennemis, quoi. En fait, faut juste qu'on vienne là. En fait, c'est un endroit où il n'y a pas de... Il n'y a pas d'alliés, il n'y a que des ennemis. Après, tu m'étonnes, c'est la statue. T'imagines ? Détruisez la statue ! Oh, je savais, j'allais dire. T'imagines, on doit détruire la statue, j'allais dire. Oh, mon verre, j'ai pas de truc ! Oui, officier. La statue, c'est un gros morceau de ciment. Va falloir une arme lourde pour la bousiller. Ou un machin volant avec une mitrailleuse. Vous avez du talent. Vous trouverez bien. Et je trouve bien. Et qu'est-ce que tu veux que je trouve ? J'ai pas de C4, j'ai rien. Ok, déjà, je vais mettre les deux ici. T'as vu le monde qu'il y a ? Maintenant ils disent plus et... J'ai tué un civil, j'avais même pas vu. Et ouais mais... Punaise. Donc mes chiens, mes animaux, je crois que j'ai confondu avec un chien. Ils vont me sauver. Il est béni normalement. Hein. Vas-y, va l'attaquer, va l'attaquer. Waouh. J'ai manqué mes animaux, hein, parce que là. Qui a mis le point là? Il n'y avait pas un point? Mais pourquoi il y a des... Waouh, ça brûle, ça brûle. Ils sont mes... Bon. Je crois qu'on a fait... On a tué tout le monde. Pas m'ouvrir, là. Bon. Qui est mitrailleuse? Elle me dit, vous allez facilement trouver une mitrailleuse. Mais déjà... Oh, oui. Oh, mais après, je peux avoir mon sniper. Eh ouais, mais il fallait dans les différents côtés, mais moi, j'ai pas mon snipe. Bon, c'est pas grave, je pense que je vais la revoir après. Hein. Ils sont bizarres. Allez, on va les claquer. Comment ça tombe? Qui a qui? Sa tête. Boum. Et bon, répétez. Vidéo, je suis tout seul. On peut voir votre grand nettoyage depuis la prison. Adieu, grosse merde en béton. Eh, si vous voulez encore foutre le bordel, j'ai une idée. Face planque son exemplaire perso des délires de Joseph dans cette horreur. Grimpez dans la statue et brûlez ses feuilles. Montrez-lui ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvaises personnes.
est où? Rejoignez le dernier étage. Ok. Ok, ben, on en profite, on pille. Mais du kit, ça c'est... Une échelle. Ah, interagir. Ça, ça doit être le moyen de monter. Levez la tête. Il y a des hélicos qui arrivent vers vous. Dieu, il faut que j'arrive à monter. Regardez en bas. Ils sont où tes hélicos? Ok. Pour buter le conducteur. Mon arme me sentait en recharger. Voilà, hop, ça. C'est nickel. Ok, monte. Je pense qu'on va avoir besoin de pompe. Putain, il y a mal. Oh non, j'espère que je suis pas... Bon, malheureusement je suis mort, mais on va refaire, ce n'est pas grave. Bon. Bon, on est mort, on va refaire. Je pense qu'ils vont nous dire donc. Le pareil, il faut interagir. Ils vont nous dire qu'il y a les hélicos. Donc... Mais je savais. M'en fous, j'ai le rocket. Bon, mon snipe, je pense que je peux le récupérer. Parce que si je peux plus le récupérer. Mais... ton mécontentement, ouais. C'est moi quand j'aurai tout. Wesh. Pour monter, s'il vous plaît. Ah, par là. Attention, pas monter. Ouais, mais la statue, elle est détruite et il monte en haut. Je comprends pas. C'est un peu chelou, si la statue elle s'écroule, je peux dire adieu là. Je peux pas les... Oh, wow, comme c'est trop stylé franchement. C'est le mec qui saute à cette hauteur. Ah ouais, mais il y a une tyrolienne, ça c'est nickel. Je suis sûr, j'ai un mauvais pressentiment. Donc je vais où? Ah d'accord. Ça y est, je suis en haut. Oui. Oui. C'est quoi en fait? C'est quoi? Et c'est quoi? Ça doit être un livre. Brûler. Ah, on a réussi. Nickel, maintenant on descend à la tyrolienne. Aïe! Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai une idée. On y va, let's go! Pas besoin de la tyrolienne. Putain, c'était magnifique. Joseph Seed va en chier dans son froc. Et voilà ce qui reste. Elle va devoir expliquer le bouquin brûlé et la statue explosée. Sacré boulot. J'ai raté. Qui c'est qui écrit à l'aide? Qui c'est qui crie à l'aide? Je sais pas, ça doit être un. Oh.
toi là. D'où tu fais ça? D'où? Je soigne qui? La fille. Pousse-toi! Parce qu'elle a moins de vie que les autres. Voilà, tac. Merci du coup de main. Tac. Et tac. C'est bon. Bon, on y va. On est dans la merde ici. Tout fracassé. Mais c'est pas possible. C'est comme... Mais non. Bon, soigner. On va reprendre une lance-roquette et on va refaire une mission. Par contre, je vais changer d'arme. Lance-roquette, je vais le lever. Bon. Qu'est-ce qu'on a à faire comme mission? On a 6 000. Alors les missions principales. Il y en a une là, mais est-ce qu'il n'y en a pas des plus proches? Suivre. Sauver les otages. 10/14. Ça, la mission elle est en cours. Détruisez les bateaux, les camions. Ok. Le péché du père, rejoignez la. Et brûler tous les champs de grâce, cela fera sortir. Ça, c'est dans la région de Jacob, mais je m'en fous. Ça, c'est très très loin. Ça, c'est à Fall Dance. Donc, on va faire quoi? Ça. Ça. Voir si on me suivre. Servir et protéger. Sauver les otages. Ouais, mais il y en a partout des otages, donc on va ignorer. Brigade. On va faire ça. Hein. Ouais, mais ils sont où tes bateaux et tes camions, ils sont où? Dis-moi où ils sont. Bon, ça doit être un truc en cours aussi. Aussi bon, on va faire lui, hein. On va faire lui. Éliminer. Ah, il va. Pardon. D'où il meurt pas lui? Possible. Ah voilà. Rejoignez la position. D'accord. J'ai envie de voler un petit peu. De voler avec mon parachute quoi. Allez. Ok. Le fail total. Bon. Putain, j'ai plus de vie. Il faut vraiment que je m'achète des médicaments aussi. Parce que... Bête. Voilà, comme ça je me fais un petit peu de sous. Allez, donc comme ça on fait un petit peu de chasse. Donc on va aller tuer le mec. Viens là, viens. Voilà. Donc... Alors on va vendre des trucs. Voilà, comme ça on se fait des sous. Ouh, des doigts 10 000. Qu'est-ce qui a coûté 5 $? Ah, viande abîmée, d'accord. Ok, ben. Maintenant ça va vendre. Merci. Bon. Qu'est-ce qui... Oh, c'est ça. Il y a personne. Hey! Il est buté là. Ok, même pas. Mais c'est normal, il y a eux. Putain, j'ai tant trop de trucs. Ouais, je suis tout. D'où ça l'a pas tué? Vas-y, va attaquer. Sauver les otages. Ah d'accord. Bon, sauver 12. C'est très bien. 12/14. Encore 2 otages. On a fini mission. Il n'y a pas un endroit où on pourrait se TP. On doit aller là. Oh, j'ai une idée. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur l'île. On va aller sur la grande montagne.
et on va sauter, on va sauter. On va monter sur la montagne et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et cette vidéo va sûrement sortir après le live, parce que je vais essayer de faire un live si bug pas. Je vais faire un live Far Cry 5. Donc le live, je pense que quand cette vidéo sortira, le live il sera terminé, mais n'hésitez pas à revoir le live, il sera en rediffusion sur la chaîne. Donc voilà, donc on va s'arrêter pour cette vidéo, je pense, mais non. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Un truc. Ah ouais, ils sont comme ça les gens. D'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, comme j'ai dit. Et surtout à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup. Et moi, je vous dis à la prochaine.